Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce sont les Erasmus Day. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'occasion pour chacune et chacun d'entre vous de vous informer pour savoir comment étudier, vous former, échanger et vivre des expériences hors du commun dans l'Union européenne. Erasmus est un programme qui a un peu plus de 30 ans. Depuis sa création, ce sont 9 millions de jeunes qui ont pu effectuer une partie de leur formation dans un autre pays européen. La majorité d'entre eux sont des étudiants, mais depuis cette année, Erasmus est aussi accessible pour les apprentis, pour vous accompagner, jeunes de toute l'Union européenne, pour un séjour d'études entre 3 mois et 1 an ailleurs en Europe. Mais Erasmus Day, c'est aussi l'occasion de nous dire ce que vous attendez et ce que vous proposez pour le futur d'Erasmus. Avec le président de la République, nous sommes convaincus que la politique d'éducation en Europe peut et doit aller plus loin. En 2024, la moitié d'une classe d'âge doit avoir passé, avant ses 25 ans, au moins 6 mois dans un autre pays européen, qu'il soit étudiant ou apprenti. Le président a proposé qu'Erasmus soit étendu aux jeunes lycéens et donc disponible dès l'enseignement secondaire. Nous avons aussi porté la proposition de véritables universités européennes et cette proposition, elle est déjà sur les rails. Alors n'hésitez pas, faites-nous part de vos propositions. Ces propositions, nous les porterons à un moment où la Commission propose de doubler le budget d'Erasmus et c'est évidemment une proposition que nous soutenons. Bon Erasmus Day à tous et à bientôt en Europe.